c'était de faire un atelier psychologique. Je dis bien psychologique, pas politique. Alors, je voulais le faire là, peut-être cette semaine ou autre semaine, mais j'attends encore un peu, c'est dans ma tête, que je vous explique pourquoi. Parce que il y a des gens qui ont été choqués, qui sont encore choqués, il faut attendre encore un petit moment pour que la tension, leur tension et tout ça baisse un peu, même dans leur tête. Donc je pense qu'on le fera, que je le ferai peut-être fin août, cet atelier, si ça vous intéresse. Je vous convie de venir, je vous tiendrai au courant de la date et tout ça. Voilà. Mais surtout psychologique. La politique, je n'en veux pas à ce niveau-là. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut parler encore. Quand est-ce que tu proposes de faire ça? Fin août. Je tente parce que le temps que les gens baissent un peu leurs émois, leurs émotions et tout ça, parce que ce qu'ils ont eu, ce que j'ai vu moi aussi et tout ça, il faut un laps de temps pour évacuer encore, et c'est encore trop tôt pour les personnes, pour certaines personnes, hein, même pour moi, même pour d'autres. Et je pense qu'au bout d'un mois, même un mois et demi, c'est bon, et on pourra parler. Mais je vous dis bien, ce sera un atelier psychologique, les gens ils parleront de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont aidé, ce qu'ils ont fait, ce qui leur a choqué le plus. On pourra parler de tout, mais sauf après, si on arrive au niveau politique, je vous dirai, je couperai de suite l'atelier. Voilà. Comment réunir ces personnes? Alors, c'est très simple. Je vous ferai toutes les semaines là, jusqu'au 15 août, tous les vendredis soirs, je vous dirai où j'en suis avec mon atelier, personnellement. Et après, je vous dirai la date. Et après, ça sera à vous de dire si vous êtes libre ou pas libre. Ça sera, je vous dis franchement, ça sera ou un vendredi soir ou un samedi soir. Voilà.